Il y a eu X épisodes orageux et à chaque fois, donc l'eau descend chez nous, le chemin a été arraché, l'eau est rentrée dans la maison, dans la cave, c'est des résurgences qui sont. Et là, ce qui était les tables, là-haut. Donc, mon père y mettait les vaches, j'ai jamais vu les vaches qui pataquaient dans l'eau. Et puis, là, tout son assainissement, il a une. Comment ça s'appelle? Une fosse. Une fosse avec un agitateur, micro-centrale, micro-station, pardon, micro-station. La vague d'eau qui est arrivée, elle lui a fait basculer et a tout décaissé autour. Et donc, à chaque épisode pluvieux, mais intense habituellement. Donc il y a l'eau qui sort en résurgence au milieu du chemin et puis dans la maison. Dans la maison. Oui, dans la maison. Et là maintenant, c'est des petites. Bon, on peut pas dire qu'il a plu beaucoup là. Ces jours-ci, on a fait un constat d'huissier le 20. J'ai les dates dans la voiture, je vous le dirai exactement. C'était autour du 20 décembre ou du 18, je crois. Il y avait de l'eau partout. Là. Y compris dans la maison. Avec une pluie pas excessive, il n'y a pas eu d'orage. Ça doit abîmer la maison. Oui, le monsieur d'à côté, là, monsieur Berger, lui, là, il a une cuisine d'été, là, dans le sous-sol. Il m'a envoyé des photos l'autre jour, et tout est moisi. Donc il a des remontées d'humidité qui n'existaient pas auparavant. Et il y a 30 ans qu'il a fait cette maison. Donc, l'état de santé des habitants va souffrir. Ah mais lui, c'est moralement il souffre. Et son épouse, c'est pire. Le jour où il y a eu la grosse vague d'eau, il a été filmé, mais une heure après, ça coulait toujours là-haut. C'est qu'urgemment, ils arrêtent le chantier, c'est tout.